Moi, c'est Lilian de la chaîne YouTube Lilian Coursier. Et en effet, on va faire grève le 2 et 3 décembre prochain pour contester cette nouvelle tarification qui a été mise en place par Uber. Les tarifs ont été revus à la baisse de 10 à 40% environ. Avant, on avait un barème fixe pour chaque course. Maintenant, elle a été changée par une tarification dite dynamique. Donc, c'est-à-dire que Uber va soi-disant calculer le temps qu'on va mettre au total pour livrer la commande à partir du point de prise en charge jusqu'au point du client. D'après eux, c'est pour mieux prendre en compte nos conditions réelles de circulation et de livraison. Donc en réalité, on se rend compte que les tarifs ont été revus totalement à la baisse, exactement comme ce qu'a fait Deliveroo il y a quelques années. Merci, bon appétit, bonne soirée à vous. Le tarif minimum, ceci dit, n'a pas bougé et reste à 2,85€. Sauf qu'avant, on avait des courses à 2,85€ pour aller en face du restaurant, donc on parcourait même pas 100 mètres. Et là, on a des courses de 1 km, 2 km, 2,5 km, payées 2,85€, 3€. C'est juste en fait scandaleux et ça nous permet même plus de subvenir à nos besoins. Et ne parlons même pas du revenu soi-disant garanti de 11,75€ de l'heure, qui au final ne va être bénéfique à vraiment une minorité d'ivoires. Donc cette grève nationale est surtout là pour donner un grand coup aux plus grosses plateformes de livraison actuellement sur le marché, pour qu'elles comprennent enfin que nous on n'est pas juste des variables d'ajustement et qu'on doit enfin être payé à notre juste valeur.